Pertouni, raconte-nous une histoire, Pertouni. Raconte-nous une histoire, Pertouni. J'ai pu constater que vous aviez apprécié la première histoire que je vous avais racontée sur l'histoire du nez cassé. Voilà, ça parlait d'argent, ça parlait de violence, forcément, ça intéresse les gens. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous êtes des petits sadiques? Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est en moi, quelque chose qui n'est pas quelque chose, qui est un super pouvoir. Et oui les amis, je suis doté d'une caractéristique qui est dans mon corps et qui me permet d'être différent des autres. Mais différent, mais en fait c'est un peu nul quand même, mais c'est quand même différent. D'ailleurs je vais enlever ces lunettes parce qu'elles me servent à rien. C'est sans doute le super pouvoir le plus nul au monde. Le plus nul et qui sert à rien. Mais c'est quand même marrant, vous allez voir. Enfin marrant, je sais pas si on peut parler de marrant. J'ai découvert ça. Par hasard, je ne connaissais pas du tout, je croyais que tout le monde avait ça, je croyais que tout le monde avait ce truc-là, tu vois, moi j'étais là, oh, c'est normal, il se passe des trucs, tu vois. Mais en fait, non. Et comment j'ai découvert que j'étais pas pareil, que j'étais un enfant différent, que j'avais cette capacité exceptionnelle? Non, c'est de la merde hein, comme capacité, vous allez voir, mais c'est pas commun, tu vois, il y en a pas beaucoup qui l'ont, on va voir les chiffres après. Donc voilà, récemment, il y a quelques mois peut-être, je regardais la série True Detective. Ah, vous connaissez pas, regardez, True Detective, série américaine policière très intéressante. Bon, bref, on s'en fout, on va pas regarder. Mais en tout cas, je regardais ça, et le mec parlait d'un truc. Il a dit un mot, il a dit « je suis... » Je vais pas le dire, comme ça on garde un petit peu de suspense. Malgré que les trois quarts des gens ne connaissent pas ce truc là, bon, on va garder du suspense. Merde, j'ai besoin de suspense dans ma vidéo, y'a un problème, c'est ma vidéo. Du coup, je vois ça, je dis merde, mais attends, mais tout le monde ne l'a pas, c'est un truc particulier. Je vais sur internet, je me renseigne, et je trouve des choses, je trouve que je suis différent, que je ne suis pas comme tout le monde. Non mais attention, alors attention, parce que dans ce truc là, en fait, il y a des niveaux, il y a des degrés. Mais moi, je suis, mais dans le bas du panier, tu vois, mais vraiment en dessous. Regardez, vous connaissez les X-Men. Tout le monde connaît les X-Men, ces personnages avec des pouvoirs extraordinaires. Bon, il y en a qui sont stylés, genre Wolverine. Wolverine, tout en haut, classé ici. Placé juste en dessous, pouvoir un petit peu plus pourri. L'espèce d'homme grenouille dégueulasse, regardez, celui qui saute comme ça un peu partout. Lui, personne voudrait être comme lui, c'est dégueulasse qu'il a. Ensuite, dans le degré de la merditude des pouvoirs juste en dessous, le balai à chiottes qui sert à laver les chiottes des X-Men. Et donc moi, dans ce magnifique tableau, je suis placé en dessous la brosse à chiottes, au niveau des pouvoirs, si tu vois ce que je veux dire. Alors, en quoi consiste ce pouvoir extraordinaire? En fait, je suis synesthète. Oh my god! Bon là, il y a 90% des gens qui savent pas ce que c'est, malheureusement. Alors, qu'est-ce que la synesthésie, my god? La synesthésie, nous sommes actuellement sur Wikipédia, c'est en fait un phénomène neurologique. Attention, hein, ce n'est pas une maladie, c'est une caractéristique. C'est comme avoir les yeux bleus, etc. C'est quelque chose, voilà, c'est pas une maladie, attention. En fait, c'est dans ta tête quand il y a des sens qui sont associés. Et donc, il y a différents sens qui peuvent être associés. C'est-à-dire, il peut y avoir la vue avec les oreilles, graphème couleur. En fait, c'est les gens qui voient les chiffres d'une certaine couleur. C'est-à-dire, tu vas leur dire 1, ils vont dire frère, le 1, il est vert. C'est je pense au vert. Quoi, tu penses pas au vert quand tu vois le 1? Toi, tu vas lui dire non, tu n'es pas normal. Alors que si cette personne est normale, c'est juste qu'elle est synesthète. Je crois qu'on dit synesthète, hein, j'en sais absolument rien. Moi j'ai découvert ça grâce à True Detective, attention, hein, je sors de nulle part. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a plein de catégories. Il y a synesthète, musique, odeur. C'est-à-dire le mec va entendre une musique et il va avoir une odeur. Vous imaginez s'il écoute du Jul, l'odeur de merde qu'il a. C'est pas gentil. Synesthète lexical gustative, c'est-à-dire tu vas leur dire un mot ou quelque chose de, voilà, une phrase, ils vont avoir un goût dans la bouche. C'est très étrange, c'est très très bizarre. Alors ces gens-là, faut peut-être pas leur parler de merde parce qu'ils vont avoir des problèmes. Et moi, où suis-je dans cette catégorie exceptionnelle? Eh bien messieurs, dames, je suis dans la catégorie la plus rare, oh mon dieu. Et donc moi les amis, ma capacité, c'est de voir les sons. Ah, Denis Brognard, très bizarre. Attention, sans prise de drogue, sans prise d'alcool, sans prise de quoi que ce soit. Voilà, on va aller sur ça. Synesthésie, musique, couleur. Ah, je vais vous expliquer en détail parce que c'est très bizarre. C'est pas vraiment de la musique, moi, qui me fait voir des couleurs. C'est certains sons, en fait. Alors regardez, c'est très bizarre, hein, c'est très très étrange. Non mais les trois quarts des gens vont me prendre pour un cinglé, alors que c'est quelque chose de normal. C'est juste que mes oreilles sont reliées à mes yeux. Voilà, on peut dire ça comme ça. Enfin, au niveau du cerveau. Mais attention, je suis à peut-être 1%. Vous savez, c'est comme les gens qui sont daltoniens, mais un tout petit peu, tu vois, il y a des degrés, c'est pareil. Et ben moi, ça me le fait, il faut que je sois dans la pénombre ou dans le noir, voilà, déjà, faut pas qu'il y ait de lumière, sinon ça marche pas. Et il faut que le bruit claque. Si ça claque et que je suis dans la pénombre, alors là, mon pote, c'est festival. Je vois une vague de couleurs. Non mais vraiment, en fait, c'est très bizarre, c'est pas...
C'est pas vraiment comme si je la voyais, c'est dans ma tête en fait. Tu vois, ça fait une vague, je vois la vague sonore, mais qui est colorée. Et plus le son est grave, plus la lumière sera rouge. Plus le son est aigu, plus ce sera un flash, mais blanc. Et donc ça dure quelques secondes, mais à décrire, c'est très compliqué, parce que c'est un phénomène qui se passe vraiment dans ta tête. Et du coup, moi, dans ma chambre, j'ai un radiateur électrique de merde qui craque en hiver, mais tous les deux secondes, tu sais, il fait... Tu vois, il fait ça. Tu vois, t'as ressenti la vibration dans ton corps. Alors, dès qu'il fait, et que je suis allongé dans mon lit, qui fait noir, évidemment, parce que j'ai envie de dormir, le peu de temps que je dors, oui, parce que vous le voyez au CERN, et ben, mon pote, ça me fait un flash. Mais j'ai l'impression qu'il y a le feu, des fois. J'ai toujours cru que c'était normal, tu vois. Je me suis dit, ouais, tout le monde a ça, rien d'exceptionnel, jusqu'à ce que je vois la série. Ouais, du coup, on peut parler d'un pouvoir assez pourri. Voilà, qui sert à rien, on peut le dire. Et ça m'est arrivé pas mal de fois, en fait, de dire, putain, t'as vu ce flash, tu vois. On était sortis le soir, je sais pas où, il y a eu un bruit sec, tu vois. C'est des bruits secs, souvent, tu vois. Faut que ça claque comme ça pour que ça le fasse. Donc ça claque, je dis putain t'as vu le flash. Et les gens ils me regardent, faudrait que t'arrêtes de prendre de la drogue frère. Donc en fait c'était ça, tu vois, toutes ces années je suis resté dans le flou, moi qui crois que c'était tout à fait normal et que je voyais des flashs quand il y avait un son, je crois que c'était un truc classique, en fait non. En fait du coup dans ta tête, la partie qui gère le son et l'image, il y a des connexions en fait entre. Et normalement il n'y a pas de... enfin normalement les trois quarts des personnes n'ont pas de connexion. 4% de la population ils disent, bien que cette statistique semble désormais erronée. Non, bon, en fait ils en savent absolument rien, parce qu'en fait il y a plein de gens comme ça qui ont ça et qui le savent pas, tu vois. Moi je l'ai pas su, je connaissais pas ce mot, j'avais jamais entendu parler de ça. Alors des fois c'est marrant parce que c'est joli, tu vois, je le constate dans ma tête, je dis ah ouais trop bien, ça a beau me le faire, tu vois, je suis toujours surpris quand ça m'arrive en fait, c'est ça le truc, c'est ça qui est bien aussi. Des fois j'ai eu peur, hein. Je me dis mais c'est quoi cette merde. Il y a le feu, il y a quelqu'un qui veut me prendre en photo, alors que pas du tout, en fait c'était juste mon cerveau qui me jouait des petits tours, ce coquignon. Donc voilà les amis, vous savez à présent que j'ai un super pouvoir de la mort qui ne sert absolument à rien, qui est sans doute le pouvoir le plus pourri au monde. Et donc maintenant comme il se doit, nous allons procéder au moment de prostylage. C'est-à-dire, vous laissez un petit like si vous avez apprécié cette petite vidéo percastoresque. Dites-moi en commentaire si vous avez une particularité, vous aussi, un truc stylé comme ça. On se retrouve dans un prochain épisode. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Sans doute sur YouTube. Au revoir.